Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la suite de Pokémon Violette. Dans cette vidéo, j'aimerais assister au cours de l'école. Voyez ou pas? Charbox Coffee. Lol. C'est mignon, non? On y va. Éducation domestique? Ok. Éducation domestique. 1. Monsieur Saguaro. Ouais. C'est parti. J'ai l'impression que sa chemise elle est hyper serrée. Il y a les boutons, ils vont craquer. Je suis désolée, j'ai des pensées bizarres. Ça va monsieur, vous arrivez à respirer si vous prenez une inspiration profonde? Est-ce que ça va péter? Bon, allez, on arrête. On se focus sur le cours. On y va. L'habillement. Les épices. En vrai, c'est aussi ça dans la vraie vie. Il va falloir qu'on fasse les restaurants. Merci, monsieur. Éducation domestique 2. J'avais pas moi de cours d'éducation domestique à l'école, vous en aviez vous? Ça doit être un truc japonais, non? Ou dans certains pays, mais en France on n'a pas ça, si. Ils ont une boutique à l'école? Il a un truc à son pantalon là, à sa jambe droite, je sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre, ça me... Il y a le bureau qui gêne. Pourquoi un point d'... Oui, un point d'eau. Mais
un point d'eau dans la nature. Monsieur, vous comprenez le français ou quoi? L'eau soigne les Pokémon. Je vous jure, vous pouvez acheter une bouteille d'eau, ça soigne vos Pokémon. Mais un truc de dingue, ça soigne même. Il me semble que les plus petites potions, ça donne plus que 20 PV. Et ça coûte moins cher. Acheter de l'eau. Je viens de remarquer, il a les cheveux super longs aussi. Éducation domestique, 3. Je viens de voir, il y a Pepper qui est en diagonale par rapport à nous maintenant. Mais il lui reste que Mémé. Monsieur, c'est méchant, en plus il m'affiche devant toute la classe. Ok, merci monsieur. Ok, vous êtes prêts? Le contrôle partiel d'éducation domestique. Oui. Ça sonne un peu comme une menace là, genre... Bon alors c'est le moment de voir si vous avez bien suivi mes cours. Il y a le truc, c'est quoi, chute, je sais plus c'était quoi le mot. C'est, je dis pas chute au chat, hein, mais
Je veux dire, C-H-U-T-T-E. Il y a deux T-H-U. Non, il y en a qu'un. Oh, faut que je pratique moi, plus mon français. Mais oui, monsieur, on a fait de notre mieux. Vous êtes prêts? Merci, madame. Éducation domestique. 4. C'est Pepper. Oui. Ah là là, le prof il sait pas vraiment garder des secrets, hein. Éducation domestique. 5. Ah non, il y a des Pokémon qui changent de couleur en fonction des saisons et tout. Bah, il faut le laver, le nettoyer. C'est illogique. Mon crocodile, il aime pas quand il frotte la tête. Pas trop longtemps.
Ok, dernière leçon. Éducation physique, excusez-moi. Éducation domestique, 6. Et après, c'est l'examen. Mais c'est vrai, on a des tenues différentes, oui. Ouais, j'ai enlevé mon chapeau. J'ai bien aimé ces cours, moi, vous en avez pensé quoi? Contrôle final d'éducation domestique. C'est parti! Et voilà. Merci madame. Je vous remercie d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous qu'est-ce que vous pensez du jeu et des cours. Je suis impatient de lire vos commentaires. Et si jamais vous savez aussi là où est-ce que j'ai eu faux à la première question, n'hésitez pas aussi à l'écrire dans les commentaires. Je vous remercie d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.